C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Toi, tu dis que la marraine place les gens, que les ministres sont mariés, sont ceci, sont cela, et puis elle met donc, la marraine t'a proposé que elle va te brancher à un ministre. Donc, tu es sorti. Si c'est Myriam, je te claque le bisou d'après ta position, je te claque le bisou. Donc, tu es allé pour que la marraine te mette dans son fion, pour que la marraine te mette dans le kerefeuillon, pour que la marraine te prenne comme sa bonne petite, pour que tu puisses rentrer dans les 4 mètres carrés de la marraine, pour que tu puisses rentrer dans les ho-ho de la marraine. Tu vois ce que je veux dire, non? Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Je te salue, ma soeur. Oh, la tête de mort, on s'en fout. Sécurisez la vidéo, là. C'est que je dis. Tu sais bien, c'est pour ça que tu mets les têtes de mort. Tu mettras les têtes de mort, mais je ne m'en gâte pas. Je vais faire sortir le papo. Je vais sortir le papo au calme. Donc, Clitorine a dit, elle a coupé du saucissonné. A demandé à notre Myriam, la marraine au cœur d'or, la marraine même qui a la main sur le cœur, elle dit pas non quand elle aime, que la marraine n'est qu'à brancher, la brancher sur un ministre, parce que papa c'est un vaurien, c'est un footballeur dans le cerveau, ça dit que ses pieds messes, mais ça peut pas chuter ballon, papa c'est, ça dit que quelqu'un qui imagine, il veut devenir quelqu'un et puis il n'est pas quelqu'un. C'est pas passé dans son cerveau. Ils sont pareils. Lui et sa femme là, qui s'assemble, qui se... Yo, le mot. Qui se... Je sais pas, bref. Mettez là-bas. Je suis pas française. Hey, hey, hey. Yeah. Donc, elle trouve que papa, à quel moment il va être footballeur international? À quel âge? À quel âge il va être footballeur international? Donc, étant donné que elle avec une grande soeur qui est dans les hauts cadres, qui est dans les hauts cadres, elle pensait que la grande soeur allait la pistonner. Donc, la grande soeur lui faisait un film Ibo. Un film Ibo. La grande soeur lui dit, la grande soeur est faute. Non, mais la, non, la marraine, elle a le film même. La marraine, elle a fait film, hein. Voilà, elle a fait film, hein. Parce que dans les lives de Clitorine, Clitorine a dit que la marraine même, elle mange jusqu'à elle va tuer. La marraine fait film, hein. Ce que tu vas entendre là, c'est ce que la marraine te donne. Hein? La marraine te donne ce que tu veux pour te mettre en confiance. Donc, tellement que la marraine a donné ce qu'elle veut là. J'ai dit, la marraine dit que non, tu te lèves. Tu te lèves, tu t'apprêtes parce que le ministre va regarder ta vidéo. Le ministre sera sur ton live. Le ministre sera sur ton live. Donc, il faut te faire belle. Il faut te faire bien. Parce que le ministre regarde. Non, Myriam. Si je ne t'aime pas, il n'y a qu'à devenir cré-cré. Si je ne t'aime pas, il n'y a qu'à devenir cré-cré. On va me casser, casser. Cré-cré, pa. Cré-cré, zika, le con, on va me casser. Avec beaucoup de bruit, si je t'aime pas. Au départ, j'étais fâché. J'étais fâché pour dire, mais c'est quoi? Pourquoi ma soeur? Pourquoi Myriam s'est donné moins cher comme ça à cette paysanne? Mais l'erreur est humaine. Et le pardon est divin ou divine. Bref, prenez un, laissez un, il m'en fout. J'ai dit. Donc Myriam lui dit. Non! Non mais... Partagez la vidéo là. Myriam dit que non, faut t'apprêter, faut te maquiller. Parce que le ministre qui a tout... Le ministre va regarder ta vidéo. Il va regarder ta vidéo, il sera sur ton live. Il sera sur ton live aujourd'hui. Donc faut voir Clitorine. Je me rappelle de ce jour là. Elle a mis loup perruque, ceux qui suivent Clitorine, elle a mis loup perruque, elle a mis fossile, soi disant que c'est moi qui va venir narguer. Narine! Narine!
jour-là, elle venait c'est pour que le ministre puisse la regarder. Je vais voir aussi les fossiles. Je vais faire ceci, cela. C'est pour que le ministre puisse la regarder. Et quand elle s'est mis bien, elle s'est sapée. Si vous vous rappelez là, elle avait mis un col roulé. J'ai parlé du col roulé. Bien, je ne sais pas que c'était à cause du ministre. Elle était habillée comme ça, comme cadavre. Je ne savais pas que c'était à cause du ministre. Elle était habillée comme cadavre. Donc le ministre même. Retrouvez la vidéo là. Je cherche la vidéo où elle a mis fossile, elle a perruque. Retrouvez ça. Retrouvez, envoyez-moi un inbox. Avant qu'elle va les supprimer, vite, vite. Retrouvez, allez-y, chap, chap. Envoyez-moi un inbox. J'ai fait ça, zo. Elle est sortie. Elle s'est maquillée. C'est pourquoi on puisse la choisir à travers ses vidéos. Ouais. On peut choisir quelqu'un à travers vidéo comme ça. Tu es devenu poulet. Tu es poulet maintenant. C'est à travers vidéo qu'on te choisit. Oui, elle est choisissable. Oui, sa vidéo. Elle est choisissable. Attends, je la regarde. Sa vidéo, mais oui, elle peut me plaire. Dans vidéo, elle avait espoir King Solo que le ministre l'a choisi dans vidéo. Adama. On peut être stupide comme ça. Toi, tu crois à Myriam. C'est à cause de tout ça, elle est énervée là. Mes Amazon. C'est à cause de tout ça, elle en veut à Myriam. Parce que Myriam avait 20 ans. Myriam l'a mis dans un film Igbo, un film Yoruba, un film avec plein de cascades. Myriam l'a fait 20 mois. Maintenant, quand elle a fini de faire la vidéo, elle est sapée comme ça avec sa dentelle. Dentelle, je ne sais pas si vous allez retrouver, hein, mais elle efface beaucoup ses vidéos. Je ne sais pas si vous allez retrouver. Peut-être c'est sur YouTube, peut-être c'est où, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous allez repasser. Elle a tout effacé. C'est un poulet, ouais. Pourquoi je ne sais pas comment quelqu'un peut se mettre en vitrine et puis on va choisir. Donc, quand elle a fini de faire ça, elle fait bien, et puis ce jour-là, mais vous ne vous rappelez pas, elle a dit, nous là-même, il y a beaucoup de perruques. Vous ne vous rappelez pas ce jour-là, ouais. Elle en avait différentes sortes de perruques dans son sac. Vous vous rappelez, je suis sûr que vous vous rappelez. Moi-même, j'ai telle perruque. Si je vais, j'ai porté. Moi-même, j'ai telle perruque. Si je vais, j'ai porté. Moi-même, si elle fait ça, vous ne vous rappelez pas que ce jour-là, elle a présenté beaucoup de perruques. Déjà, c'était pour qu'on puisse la choisir à travers Facebook. Quand elle a fini de faire ça, elle s'est assise d'où, hein? Elle a fait un thème en bracata, un thème bizarroïde, un thème tranquille. Quand elle a fini de faire le thème là, le lendemain, dans le béret, elle est sa copine, elle est sa soeur dans le béret. Hé, hey, ma soeur, est-ce que le ministre m'a vu? Est-ce que le ministre a regardé ma vidéo? Est-ce que le ministre a fait quoi? Il a trouvé comment? J'étais comment? Myriam aussi, partagez, mettez le cœur. Il m'a trouvé, il a regardé la vidéo, il a trouvé que j'étais comment? Tout ça. Et elle a oublié que papa était en Roumanie. Elle a trouvé que papa était en Roumanie. Comment il allait faire pour papa ne comptait plus? Parce qu'elle voulait être dans l'équipe des grands. Ça dit qu'elle sort de Boussa. Elle veut monter les échelons en même temps. Monter les échelons. Est-ce que il m'a regardé? Il a vu que j'étais comment? Capucine, espoir. Je me souviens, merci. Je suis sûr qu'il y a quelques-uns qui se souviennent de cette... De cette vidéo-là. Mais, vous savez, elle n'arrive pas à garder ces trucs. Toujours en train de les supprimer. C'est ça. Sinon, on allait vous sortir la vidéo du maquillage. On allait vous sortir la vidéo du fossile. On allait vous sortir la vidéo de la perruque. C'était le jour-là que on devait faire la présentation vitrine. C'est toi qui dis, oh. C'est toi qui sais que la marraine fait ceci. La marraine fait cela. La marraine fait ça. La marraine place. La marraine met ceci. C'est toi qui dis. Donc tu sais le pourquoi tu dis ça. Tu as les preuves de ce que tu dis. Parce que toi-même, on devait te placer comme poulet. Mais tu n'es pas au goût des gens. C'est ça, voilà le point. Tu n'es pas au goût des gens. Toi-même, les gens que toi-même tu vois, ils sont en haut là. Toi-même, d'après toi-même encore, d'après tes dits de Facebook,
c'est les influenceuses. C'était dit, hein? C'est les influenceuses qui guettent. Toi, tu es influenceuse où? Avec ta femme. Ta femme boudou. Ta femme lourde comme ça, là. Mais tu vas casser le dos du ministre, là. Tu vas rendre le dos. Attends, le temps qu'il va quitter chez toi pour arriver chez sa femme, tu vas le rendre à plat. Donc, quand il a regardé, c'est lui. Ça, c'est qu'un modèle de Gaouzi, ça. C'est-à-dire que même si tu n'as pas. Même si tu n'as pas la bellesse des influenceuses, même si tu n'as pas la jolibilité, je m'en gamme de ça, des influenceuses, il faut avoir un peu le style. Même style, même refuse. Ça veut dire que vu que tu ne ressembles à rien, mais tu n'es pas stylé. Parce qu'on dit toujours, quand un n'est pas bon, il faut que deuxième soit bon. Quand les deux sont mauvais, pas de style, pas de jolibilité, pas de forme, pas de rien, Adama. Mais non, ma chérie. Tu sais très bien que les ministres, quand ils sortent, si c'est ça, c'est ce que tu as dit. Donc, je prends avec des pincettes. C'est ce que tu as dit en fonction de tes vidéos. Moi, je suis, et puis je traduis. De un, on ne sait pas dans quelle case on te met. Je regarde les infos parce qu'on ne sait jamais. Partagez la vidéo là. On partage la vidéo. Donc, tu n'as pas eu la chance de rentrer dans les 4 mètres carrés de la marraine pour pouvoir te placer d'après toi-même. Pour pouvoir te mettre chez les grands. C'est ça qui te fait mal. C'est ça qui te rend jalouse. Donc quand la marraine est en train de parler que oui, les filles la font ceci, les filles la font ça, tu es énervé parce que pour toi ne prend pas. Tu es énervé parce que pour toi n'a pas pris. Avec tous les lourds maquillages que tu as mis là, le ministre a fait 20 ans. Et puis elle est venue te donner un film. Elle est venue te donner un film pour dire. Non, t'inquiète pas. Eh non, Miriam. Miriam, ça fait un film, hein. Miriam, elle a les scénarios. Elle n'est pas scénariste, non. Est-ce que Miriam même tu ne pas film? Est-ce que la marraine même ne fait pas film? Elle a fait film, hein. Elle peut produire un film. Voilà, elle peut produire un film. Parce que quand vous regardez le scénario même, digne d'un film de réalisation, mais réalisateur, première catégorie. Première catégorie. Elle vient encore dire à Clitorina que, t'inquiète pas, le ministre a regardé ta vidéo. Elle donne espoir à Clitorina. Attends, le ministre n'a même pas regardé. Vends-moi. Regardez hier dans son live. Regardez bien dans son live. Miriam, elle te dit ça. La marraine te dit ça. Après, c'est faux. Quand tu lui demandes comme ça, elle dit, j'ai appelé. Oh. Je ne savais pas, il ne m'a pas appelé. Oh. Quand même, il faut regarder. Elle envoie les preuves. Ah, voilà ce qui est tout ça. Là. C'est film de la marraine. Elle a fini ça. Donc, elle a mis Clitorina dans les val-val. Elle a mis dans les val-val. Donc, quand Clitorina a espoir, la marraine lui, t'inquiète pas, ma fille, c'est géré, ma petite, c'est ma badée, quoi. Non, c'est géré. Le coin géré, elle te fait sa zo. Quand la badée dit, mais j'ai dit, oh, mon affaire, la zo, non, t'inquiète. J'ai déjà eu la solution. Je vais régler ça. Tout ça, là, même, c'est film. Elle pensait qu'elle était dans le film. La marraine aussi était dans le film pour elle. C'est ça qui est le vrai point. Donc, vends-moi. Où est le ministre? Ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu ministre, il n'y a rien eu. Voilà le vrai point. On peut faire ça. La marraine esprit, hein? Mia, la marraine esprit même. Cécile, elle cherche un ministre aussi. Son modèle que vous voyez là, elle aussi, elle veut avoir un ministre. Son modèle que vous voyez là, elle va avoir ministre. Donc, qu'elle a fait ça, dit quand ça n'a pas pris,
La marraine dit, bon, comme ça n'a pas pris 20 ministres là, je vais tout faire pour payer quand même ton transport pour aller voir papa en Roumanie. Si ça avait réussi, si l'affaire des ministres avait réussi, jamais papa allait prendre ses bateaux, ouais. Il s'est envolé, ouais. Il a marché pour arriver cela. Jamais papa allait venir. C'est parce que côté ministre n'a pas réussi. Côté député n'a pas réussi. Ça veut dire que quand on lui a donné les numéros des gens là, pour envoyer les... Partagez la vidéo là. Quand on lui a donné les numéros pour envoyer les preuves du coup d'état inventé ou d'empoisonnement, elle pensait que c'était le numéro des gens qui ont vu sa vidéo qui étaient fans d'elle. Face à parler aux députés, elle parle aux députés, elle pense que c'était le pointage. Donc elle a vu son gars comme ça. Regardez comment elle parlait aux députés là. Tu t'as envoyé les preuves, tu n'as pas regardé. Franchement, j'ai pensé que c'était les gens qu'on a fait pointage. Donc pensant que quand elle allait envoyer les preuves là, elle allait commencer à causer à eux. Ils ont mis 20 mois. Ils ont fait vu et ignorer. Ils n'ont pas calculé. Elle en boulait, dit que mais j'ai dit oh. La marraine aussi la foutaise, hein. Je pensais que c'était un filon que j'allais envoyer les preuves et puis en même temps profiter pour causer. Dja, c'est même pas ça. Dja. J'ai dit partager la vidéo là. Je vous donne les vrais sons. Je vous donne les vrais sons parce que la personne, elle n'a plus de voice. Ah. Christine Lange, la madre, tu es inspirée. Hein, c'est ça le vrai. Mais c'est le vrai point, je te vous dis. Je voulais pas vous dire le béret d'abord. Je voulais laisser d'abord qu'elle fasse sortir. Elle avait espoir d'un ministre dans le quartier. Si ce n'est pas ministre, un député. Donc elle se voyait comme ça. C'est pour ça que ça n'a pas marché là. Tant que le gouvernement ne m'a pas appelé, je ne laisse pas. Elle a encore espoir que le gouvernement rentre dans le passé. Elle vise le côté où Myriam est là. Elle vise aussi. Elle a vu que sa copine est là-bas. Sa grande est là-bas. Elle veut viser aussi. Myriam est qui? Et puis elle est là-bas. Moi aussi, il y a rentré. Il y a Adolaté. Abolaté. Une envieuse gros grain. Une envieuse pro max. Ça dit qu'elle ne peut pas attraper ton sac. Ça dit que tu arrives quelque part. La personne même te dépasse. Au lieu d'attraper son sac, tu veux sauter la personne pour arriver où la personne est. On peut faire ça, c'est la sorcellerie. Attrape d'abord le sac de ta copine. Prends son sac. Et puis quand tu as pris son sac, là, un peu derrière, tu as pris son sac. En prenant son sac, si elle part dans des endroits, quelqu'un peut te repérer un peu parce que tu as trop attrapé le sac. Et puis on peut voir peut-être dans l'attrapement de sac là. Où est le sac même? Attendez, je prends sac. D'attrapement de sac de Myriam là. D'attrapement de sac de Myriam, quand tu es derrière comme ça, dans son attrapement de sac là, tu prends comme ça de temps en temps, tu es derrière elle, tu attrapes son sac. Il y a des cas, quelqu'un te dépasse, faut prendre son sac. Quand tu as fait ta cabane là, quand tu te dépasse, prends son sac. Et puis reste derrière avec le sac, clopant. Un jour, dans ce milieu là, c'est comme ça qu'on fait. Toi, tu n'es pas intelligent. Qui t'a élevé? Tu es bête comment? On ne peut pas te conseiller. Maman, tu as eu quelqu'un là. Pardon, attrape son sac un peu. Tu as attrapé son sac. Où elle s'en va là? Hé, ma grande soeur, tu t'en vas où? Tu as un dîner gala. Est-ce que je peux venir t'accompagner? Oui, ma petite, accompagne-moi. Accompagne-moi. Ok. Tu te mets dans tes longs habits bizarroïdes là. Dans tes lâches là. Tu te sapes. C'est pas grave. C'est qu'elle suit. L'habit ne fait pas le moine. Mais l'habit aussi. Faire rentrer dans le milieu. La Bible ne fait pas le moine, mais de temps en temps, on dit moine fait. Bon, bref, vous connaissez. Ma grande soeur, je peux t'accompagner? Ah, d'accord, faut t'habiller un peu. Ah, tu mets ton loup, les loups, voilà, dentelle. Elle va dire que non, mais celle-là, tu peux pas. Attends, je t'emmène chez le couturier, on te soigne une robe parce que tu t'es mis ça où là-bas? Tu t'es mis ça où là-bas? Donc, on t'envoie là-bas, le tailleur te sort. Une tenue digne de ton corps. On sert ton ventre, elle vend aussi, voilà ça, demande ton dé pour moi ici, mais pour moi un peu mieux, pour toi là,
on dirait buveuse de bandits. Il a dit, tu bois bien, ou bien bien des clochards qu'on a vu, bien des clochards qui gonflent le ventre là. Toi, tu es quel genre de musulman qui se cache? Tu te caches pour boire loup bien comme ça. Bien qu'on a vu à Roumanie là-bas, c'est bien des clochards là-haut. Ça gonfle le ventre. Faut arrêter de boire bien comme ça. Tu ne peux pas boire des bien loulou, bien gaya-gaya comme ça. C'est bien là qui fait que ton ventre est gros comme ça, bien là. Faut arrêter de boire bien. Voilà, il faut arrêter de boire. Si tu penses que, d'après toi, DS se fait poupou nampou, les gens se font poupou nampou, la marraine se fait poupou nampou, mais toi tu fais pirigeois bien. Toi tu te piriges bien. Toi tu te prends les billets clochards là. C'est ça, toi tu bois pim, 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 pim. Voilà, vendre là aussi. T'es où devant toi? Vendre qui là-bas, c'est. C'est pourquoi? C'est vrai, je reconnais. Je reconnais que j'ai du ventre. Ça, je peux pas quand même fuir mon ventre, je reconnais. Mais mon ventre avec ton ventre, la dernière fois, tu as mis une combinaison. C'est ça, non? Jojin. Mais j'ai l'impression que devant le ventre, là, c'était. T'es où comme ça? T'es où? On dirait que tu as bu baka, coco, coco baka. Et puis coco baka s'est déposé sur ton ventre comme ça en bas. Tu l'as pas vu? Va regarder. Va reprendre ta vidéo. Coco Baga est venu se déposer. Oui, mais c'est dégueu. C'est dégueu que tu as bu et puis c'est assis dans ton ventre comme ça. Tu n'as pas pu digérer ça. Dégueu à ce moment, tu n'as pas digéré. Parce que si c'est Kabato, on digère vite. Kabato, on digère ça rapidement. Kabato. Donc je ne pense pas que c'est Kabato. Je suis sûr que c'est Coco Baga. T'es où tu as bu pour tu as pris cuvette là comme ça, coudou. C'est venu s'asseoir sur ton ventre, vers le bas ventre là. Faut voir, il s'est déposé là-bas. Maintenant, on dit, faut digérer, digère pas. Tu as fini de mélanger un nido. Merci, qui a mis nido? Coco Baga mélangé à nido. À ton âge là, tu sais pas que le lait là, toi à ton âge, tu lapes lait comme ça. Qui m'a envoyé 75 dedans? Rebecca Traoré, merci pour tes 75 étoiles. À un certain âge, à tes 50 et quel âge là? 50, cela c'est né. Cela c'est né, comment tu vas? Tu as 50 ans, il faut équilibrer. Tu prends pot de nido à une heure. À une heure bizarre, très tard, vers 2 heures du matin, 1 heure du matin, en train de manger nido. Y'a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nido là, tu as remplacé un kaolé. Parce que je ne comprends pas. Nido, tu as remplacé un kaolé. Parce que je ne comprends pas. Toi, pour toi là, au lieu de manger kaolé, tu manges nido. Gaïa, pot de nido comme ça. Voilà toi maintenant. Ton ventre que tu as en train de faire sport là, tu penses que le lait nido que tu prends toujours pour vous. Tu penses, mais dis donc, on peut avaler nido comme ça, un pot de nido, chaque jour. Mais ma chérie, ton régime là, ton régime, tu fais tout ici vélo. On ne sait pas, vélo là est comme ça. Vélo là même est comme ça. Faut dire aux gens qui me regardent, qui disent non, que je suis arrêté, puis ils ne supportent pas là. Je m'en fous d'eux. Je m'en fous d'eux. Quand je la vois, mais elle m'énerve. Quand je la vois, mais elle m'énerve. Oui, je suis sorti pour vous énerver exprès. Comme ça, quand vous allez me voir, vous allez vous énerver. Bien. C'est énervé seulement que vous allez faire. C'est derrière vos téléphones. Vous ne pouvez, mais vous pouvez rien me faire. Parce que je vous crois, je vous gifle un à un. Vous êtes caché derrière votre téléphone. Vous appelez, vous n'allez même pas fichu pour voir vos visages. Eh, mais ne, faut sortir ton visage. On te voit fafa. Moi, ça me connaît. Toi, sors, au lieu de te cacher derrière le téléphone. Voilà aussi, modèle. Elle a fini de boire Nido. Lou Nido. Faut la voir maintenant. Faut la voir maintenant. Sur vélo même la dépasse. Ma chérie, toi Clitorina là, toi Clitorina, je dis, hache-les que tu emmènes dans ta maison là. Hache-les, ta fille hache-les, qui est ta servante dans ta maison là. La fille hache-les que son papa ivoirien là. Hache-les son papa ivoirien. Qui est au Burkina Faso là-bas. Hache-les.
Faut arrêter ta fille qui a 12 ans, que tu passes ton temps à devenir, c'est une servante dans ta maison. On peut accoucher son enfant comme ça, et puis prendre son enfant pour être la servante. Tu assises, tu fais une vidéo, ton enfant sort, elle te demande, maman, oh, va là-bas, tellement tu es obsédé par tes vidéos. Ton mari qui est à la maison, tu ne peux pas t'occuper de lui. Ou bien ta fille qui a 12 ans, c'est ta servante dans la maison, en live, en plein live, tu chasses ton enfant. Tu la mets tu l'humilies. Une mère indigne, une mère saligo, une mère sapate, une mère malade, une mère tolo-tolo, une mère tolol, une mère bête-bête, une mère sale. Ton enfant Ashley qui a 12 ans, là, tu la maltraites, on dirait, tu n'es pas digne. Toi, tu es une mère digne, toi? Toi, tu es une mère digne? Tu as un cœur? Ton enfant Ashley, là, c'est parce que c'est un enfant que je n'ai pas envie de verser ça sur la toile. Parce que je suis une mère et j'ai un cœur. Sinon, son papa qu'il a reçu là, je vais mettre ça sur la toile. Tu vas péter, tu vas devenir zinzin. Tu vas devenir zinzin. Tu n'es même pas fichu. Toi, tu oses t'arrêter. Une boyero jam comme ça, quelqu'un qui t'a nourri. La marraine t'a nourri, elle t'a blanchi, elle t'a lavé. Elle a même payé ton train pour que tu ailles mougou, hein, garçon. Elle a payé ton train. Ta camarade femme paye train pour que tu ailles chez ton chez garçon pour te décoiffer. Tellement tu t'es quoi? Tellement les nigos ont déposé dans ton bavant. Nigos les versés dans ton bavant. Il fallait un bon pinailleur pour enlever tous les nigos que tu as déposés dans ton ventre. Donc ta camarade femme paye transport pour dire va te faire grec pour revenir. Toi tu as parlé à qui? Toi une saleté comme ça, tu parles? Toi tu parles? Toi aussi ta bouche? Tu t'arrêtes là? Oui, j'ai mangé ton argent, je m'en fous. C'est la honte qui est versée sur toi, Niabey. Tu as honte. Parce que moi, en tant que femme, je ne vois pas ma camarade qui a payé mon billet d'avion. Même garçon, même n'a pas qu'à de payer moi mon billet d'avion pour dire, maman, je perds ton billet d'avion. Viens, on se met bien. Tu es malade. Tu m'as pris en ton moins cher. Tu m'as pris en safarien. Même garçon ne peut pas payer moi mon billet pour qu'il va me... Il va me prendre, olé, olé. À plus forte raison, ma camarade femme va me donner là pour lui prendre billet d'avion. Va trouver ton papa qui est là-bas. Un faux footballeur. Quelqu'un qui est footballeur dans son cerveau. Quelqu'un qui est footballeur dans son imagination débordante. Quelqu'un qui a d'imagination débordante. Et tu te lèves, tu vas trouver un mec. Et quand tu t'en vas trouver un, ça dit un mec, tellement tu es saligo, tellement tu es saligo. Partagez ma vidéo là, je vous ai dit que ma page ici est au rouge. Ma page est au rouge, oh, oh, ma page est au rouge. Donc partagez la vidéo là, on va quitter là. Une page signalée, les jaloux, vous me signalez pourquoi? Vous me signalez que quoi? Je suis dans votre corps. Je suis comme pou. C'est ce que vous ne connaissez pas. Je suis doux amer. Je suis doux amer. Il a dit laisse affaire va te laisser. Si tu n'as pas laissé affaire, tu vas comprendre qui est qui. Laisse affaire va te laisser. Toi, ta camarade femme, que tu traites sur la toile, ta camarade femme qui t'a nourri, qui a payé ton billet. Pourquoi on va te faire tatamou, pa-pa-di-pa-pa-pa-fa-dou. Ta camarade qui a fait que tu puisses soulever ton blacro de mari, ton moins que rien de mari, qui n'est même pas fichu de travailler à la sueur de son front. Il préfère travailler à la sueur d'un sport imaginaire. Tu trimbales hein, l'argent de ta camarade que tu insultes aujourd'hui sur la toile. Si l'ingratitude d'un nom, ça s'appelle clitorine. Si l'ingratitude d'un nom, ça s'appelle Kadi. Si l'ingratitude d'un nom, ça s'appelle Kadi laideur. Kadi laideur. Parce que joli, la faut enlever ça dedans. Père, ton joli, là, c'est toi ce qui est dans ton cerveau. Tu es plus jolie que tout le monde. Oui, je suis jolie. Je suis jolie. Tu es plus jolie que tout le monde. Mais il faut mettre Kadi laideur.
Il y a un blacro comme ça qui est arrêté là-bas, qui ne peut même pas payer son billet d'avion pour venir trouver sa soi-disant femme qu'il a épousée. Non, hein, c'est pas le cas. Hein. Une femme vous paye, vous nourrit, vous blanchit, vous lave, enlève vos saletés dans vos bodakous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre vos caméras et puis lui manquer de respect. C'est de mettre sa caméra et puis traiter cette femme-là. C'est de mettre sa caméra et puis dénigrer cette femme-là. Ma chérie, ça ne peut pas marcher ici. Ça ne peut pas marcher demain. Les gens qui veulent te croire, ils sont libres de te croire. Chacun est libre de te croire. Mais toi, je ne peux jamais te croire. Je ne peux jamais te croire. Parce que tu as perdu ta crédibilité le jour que tu as pris l'argent de cette dame. Tu as perdu ta dignité. Quand tu parles de dignité, je vois dans ton live, oui, vous avez perdu votre dignité. Parce que vous avez pris l'argent que toi tu as pris qui dépasse plus de 20 millions de francs CFA. Toi, tu as parlé de dignité à quelqu'un. Tu manges l'argent des gens. 10 millions à 20 millions. Toi, tu parles de dignité à quelqu'un. Tu viens t'asseoir. D'après toi, on t'a payé pour ton quoi? Elle m'a payé pour me museler. Elle m'a payé pour ne pas que je parle. Toi, tu avais toutes ces preuves-là. Digne de sauver ton pays que tu aimes. On te paye pour fermer ta bouche. On te paye pour fermer ta bouche. Normalement, tu dois dire, je ne prends pas l'argent. Moi, je veux sauver mon pays. Je ne veux pas d'argent. Moi, je veux délivrer mon pays. Je ne veux pas d'argent. Mais tu prends l'argent. Tu manges. Quand tu allais en Roumanie, là, tu n'as pas voulu faire de vidéo parce que c'était la dame qui t'envoyait en Roumanie. Et quand tu arrivais maintenant, ici, tu vas narguer la dame. Parce que tu avais ton objectif bien précis. Tous ceux qui sont rentrés dans ton téléphone, sans exception, tu enregistres toutes ces personnes-là de A à Z. Tu enregistres toutes ces personnes-là de A à Z. Tu n'as pas raté. Même ton père, tu as enregistré. Même ton père, tu as enregistré. Ma chérie, prends soin de ta fille Ashley. Occupe-toi de ton enfant Ashley. Tu n'as même pas pensé à ton enfant qui est Ashley. Tu sais pourquoi je m'appuie sur Ashley? Tu sais très bien. Pour venir traiter une mère de famille. Tu viens parler de l'enfant de Myriam sur les réseaux sociaux. Toi, tu as une mère digne, toi. Toi, tu as une mère digne. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, traiter l'enfant de Myriam, son seul enfant. Tu viens traiter cet enfant-là. Parce que cet enfant-là, tout simplement, est en situation d'handicap. Oui, tu l'as dit. Ta vidéo, elle l'a téléchargée au calme. Ta vidéo, elle l'a téléchargée au calme. Mais toi-même, tu viens sur ton enfant des gens qui est en situation d'handicap. Mais tu as oublié pour toi, là, oui. Tu veux qu'on en parle? Tu as oublié pour toi, là, tu veux qu'on en parle? Tu as oublié ton enfant Ashley, là, tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on sort les papas? Tu veux qu'on sort sa vie? Tu veux qu'on dépose ça sur Facebook? Tu veux qu'on rentre dans ta chair? Tu veux qu'on rentre dans ton âme? Tu veux qu'on rentre dans ton être? Mais quand j'ai vu ça, à cause de ton enfant Ashley, là, je dis non, moi, je suis maman. Je suis maman. Si sa mère n'est pas intelligente, moi, je dois être intelligente. Si sa mère est stupide, moi, je ne dois pas être stupide. Je dois savoir avoir mes limites. Oui, je dois savoir avoir mes limites. Sinon, ce que j'ai reçu de ta fille, Adama, ce que j'ai reçu de ton enfant, mon Dieu de miséricorde, pardon, libère. Et si tu n'aimes pas ton enfant, là, pardon, faut faire doucement. Arrête de mélanger ton enfant. Oui. Oui. Parce que dans ta vie, tu as eu trois maris. Tu as eu trois maris dans ta vie. Oui. Toi seul qui traite Myriam de bordel, de quoi, de tout. Toi seul, tu as eu trois maris dans ta vie. Trois. Tes deux enfants là, ils ont leur papa. Ashley a son papa. Les deux autres là, on est papa. On peut faire ça. Mais toi, tu oses venir t'arrêter sur la toile pour traiter les autres femmes de tout le monde. Mais toi, maman, t'appelais comment?
Toi, on t'appelle comment? Toi, bordeline, on t'appelle comment? Toi, clitorine, on t'appelle comment? Cela, c'est né. Oui, ma copine, avec clitorine, on ne doit pas avoir de limite. Je sais, mais tu me connais. Tu me connais. Tu sais que j'ai des limites à tout chose. Surtout quand ça touche les enfants. Tu sais, tu me connais. J'ai des limites à tout chose. J'ai des limites à tout chose. Tu sais très bien. Tu sais. Il y a des choses. Quand ça touche un enfant, c'est que tu vas toucher. Je sais. Je sais qu'elle a mauvais fond. Je sais qu'elle n'est pas bien. Je sais. Je sais. Comme elle, elle n'a pas épargné l'enfant de Myriam. Moi, je ne vais pas venir exposer son enfant. Jusqu'à nouvel ordre, oui. Jusqu'à nouvel ordre, je vais préserver d'abord la petite. Je vais préserver la petite Ashley au calme. C'est moi qui dis ça. Oh, bah, je te regarde droit dans les yeux et je te dis. Le papa d'Ashley, là, c'est dans ma paume ici. Au calme. Au calme. Ashley que tu vois là, tu l'as eu au Burkina, non? Tu l'as eu au Burkina là-bas. Ashley, tu l'as eu au Burkina. Je dis, tu as eu trois maris. Tes deux premiers enfants là, ils ont leur papa. Ashley a son papa. Un Ivoirien au Burkina qui est le papa d'Ashley. Et puis tes deux autres enfants là, les enfants des papa là, les enfants du Blacro là, les enfants du Nabo Bié là, les enfants du Vaurien, les enfants qui met en tant qu'un gnome, il met ses enfants au monde. Il met ses enfants au monde, et puis c'est quelqu'un d'autre qui doit s'occuper de ses enfants. Un père indigne, un père saleté. Les deux enfants, c'est mon papa. Tu en as cinq, mais les cinq là, les cinq enfants là, ils ont, les cinq enfants là, tu as trois pères. Gladys, Gladys, j'ai pas vu ton commentaire. Toi, tu as venu traiter Myriam de n'importe quoi. Tu as venu traiter aussi les femmes de bordel, de prostituées, de ceci, voilà ça. Toi aussi. Et si on parle de pour toi, alors, on fait comment? Si on parle de pour toi, alors, on fait comment? De la même manière que les gens sont dans ton 4 mètres carrés, ça dit juste quand devant ta porte. Hé, hey, il y a la crosse. Il y a la crosse, hein. Ok, tu veux qu'on en parle? La madre, j'aime les bouboules. Les bouboules, hey! Les bouboules, il reste plus beaucoup. La bouboule, il reste plus beaucoup. Il reste plus de combien de bouboules? Il reste plus beaucoup. Vrai, vrai, là. Donc partagez la vidéo là, je partage ici. D'accord? Donc, j'ai dit, il faut libérer la vie de la dame. Sinon, pour toi, là, c'est pas bon. Hein?
Attendez, je vais. Je cherche une petite vidéo là, je vais voir si j'ai ça. Je vais voir si j'ai la vidéo. Je vais voir si j'ai la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo là s'il vous plaît. On a combien d'heures là? Ok, il est 20h. C'est l'heure de finir de choses comme on appelle. Mon live. Hein? Je mets une petite vidéo, puis je coupe. Minutes, parfait. On va couper. D'accord, je suis ici pour arrêtez de m'appeler s'il vous plaît, arrêtez, je suis en train de Myriam Cissé dans la paix du Seigneur. Vous avez compris, ma soeur, c'est Myriam Cissé. Vous là, vous ne m'intéressez pas, vous pouvez continuer à jacasser là-bas. Allez-y, appelez qui vous voulez. D'accord, je suis ici pour démolir Myriam Cissé dans la paix du Seigneur. Vous avez compris, ma soeur, c'est Myriam Cissé. Vous là, vous ne m'intéressez pas, vous pouvez continuer à jacasser là-bas. Allez-y, appelez qui vous voulez là-bas pour venir parler. Ok, c'est un membre de ma famille. Parce que nous, on est comme vous. Donc, elle est là pour démolir la dame. Elle est là pour démolir la dame. Mais je vais te dire une chose. Si la dame ne t'a jamais donné quelque chose à boire, si la femme t'a jamais nourri, si la femme n'a jamais essuyé tes larmes, si la femme ne t'a jamais fait du bien, c'est là que tu vas pouvoir la démolir. Mais si un jour tu as mangé son sein fin, si un jour elle t'a fait sourire, si un jour tu as eu plaisir à causer avec cette femme-là, tu ne peux jamais la démolir. Parce que Dieu que nous prions là, tu ne vas jamais pouvoir la démolir. C'est vrai, elle va être affaiblie parce que c'est normal. C'est normal. Avoir tout le temps les voices, mais la démolie, tu n'es pas Dieu, ma chérie. Tu n'es pas Dieu. Si tu es l'esprit, le mauvais esprit, pour venir démolir cette dame-là, tu n'es pas Dieu. Donc, je vais te dire une chose, tu ne peux pas la démolir. Tu ne peux pas la démolir aujourd'hui, tu ne peux pas la démolir demain. Et puis, le combat que nous menons là, c'est pour ces gens de personnes-là. Les harceleurs de Facebook, ceux qui ont la capacité, parce que tout simplement, tu as parlé avec eux, ou bien tout simplement, ils ont ta photo, ou bien tout simplement, ils ont les gens qui passent leur temps à venir faire de l'harcèlement sur Facebook. Parce que tout simplement, ils ont pris des minables de portables. Ils ont créé une page quelconque. Parce qu'ils viennent parler sur Facebook. Ils invitent des gens, mais qui ne font pas de vidéos. Des personnes lambda qui ne font pas de vidéos, qui n'ont pas choisi à être blogueurs ni blogueuses, qui n'ont pas choisi qu'on les affiche sur Facebook. Ils peuvent regarder les vidéos et puis passer leur chemin. Ça ne les intéresse pas qu'on les affiche. Mais parce que tu as un téléphone, parce que tu te permets de faire des vidéos, parce que tu es assise et t'es fait dur dans une chaise là-bas, et tu mets ta caméra, et tu commences à emmerder les citoyens qui n'ont rien demandé, hein, qu'on les affiche sur Facebook. Nous sommes les blogueurs. Nous, on a choisi d'être sur la toile. On a choisi de se mettre là pour pouvoir faire des vidéos. Viens t'attaquer à nous, on va aller sur le tatami. Viens t'attaquer à nous. Laisse les gens qui n'ont pas demandé à faire des vidéos. C'est nous, on est venus sur la toile. On prend nos responsabilités. Tout ce qui va arriver, là, on va subir. Et c'est nous qui avons choisi ça. Ceux qui n'ont pas choisi, qui ne font pas de vidéos, pourquoi t'attarder sur ces personnes-là? Tu t'attardes sur des personnes qui n'ont rien à voir. Moi, pour moi, j'ai vu des vidéos des personnes au départ qui étaient contre
cette dame-là. Mais aujourd'hui, ils sont pour cette dame-là. Parce que l'acharnement, quand tu t'acharnes trop sur quelqu'un, tu attires de l'amour vers la personne. Donc aujourd'hui, là, qu'on veut, qu'on ne veut pas, il y a des personnes qui aiment cette marraine-là. Parce que à cause de toi, de la manière que tu t'acharnes sur cette dame-là, la dame a eu des gens qui l'adorent et qui l'aiment. Donc nous, là, on va faire de telle sorte qu'elle va se lever où elle est là. Nous, on va faire de telle sorte qu'elle aura la force. Parce que tu n'auras pas le dernier mot. Ma chérie, tu as échoué sur toute la ligne. Tu as échoué sur toute la ligne. On ne va pas utiliser la capacité que tu as. Oui. Sinon, on a les moyens de nos politiques pour utiliser la même bataille, le même système, la même manière de faire, de traquer quant au dernier retranchement. Mais tu n'en vaux pas la peine. Parce que toi-même, tu prends ton cercueil pour te promener dans la ville. Tu prends ton cercueil pour te promener dans la ville. C'est-à-dire que ton djali là n'est pas loin. C'est-à-dire que toi-même où tu es là, tu soulèves ton cercueil en train de te promener comme ça. Tu dis d'après toi, tu es venu sauver le pays. Pardon, c'est ça qu'on attend. Oh. Viens libérer nos parents là-bas. Sors les preuves. Sors-nous les preuves pour libérer nos parents. Voilà nos parents. Parce qu'on est de la famille. Toi seul, sors ça, tu vas voir. Mais Amazon est guéri. Viens m'arrêter là. Voilà, j'ai fait déjà une heure. Je vous dis bisous, bisous. Et puis, portez-vous bien. À demain par la grâce de Dieu. Voilà. Si vous me voyez faire des vidéos à ces heures-là, parce que je bosse, le temps de rentrer, me reposer, me détendre un peu. Et puis, j'ai le temps pour faire. Le jour que je ne travaille pas, je peux faire le live plus tôt. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui sont sur les lives-là, essayez de faire des enregistrements, voilà, parce que comme elle supprime vraiment ses vidéos rapidement, enregistrez les parties qui sont très très importantes dans son live, enregistrez ça, et puis envoyez-nous en inbox, des parties, des petites parties, qu'elle en live, prenez des parties très très importantes, et puis après on supprime. D'accord, bisous, bisous, et puis bisous, ciao.